Et yo, c'est GX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Funcraft avec un Ropi à l'ancienne. Donc voilà, même si on le voit souvent sur la chaîne, je pense que ça peut casser les couilles à certains de le voir souvent. Il casse vraiment les couilles. Aujourd'hui on va se pousser en live. Donc voilà, on va faire rush kit des gens en rush fast tout simplement. On va voir si c'est cool et si c'est à refaire ou pas. Proposez-moi des idées en commentaire les gars. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. En tout cas nous on va lancer. Donc voilà, on n'attend plus que Ropi. Bonjour tout le monde, c'est Ropi. Un bideux donc Mais je crois que t'es pas intéressant en fait. Enfin genre la gueule. Ah trop drôle, il a tapé sur son putain de bureau, putain c'est trop drôle, putain trop d'humour. Mais mec, mais trop de... Ah il va rajouter un S-Shake au montage, je trouve ça vraiment original de sa part. Mec, un S-Shake plus motion blur, mais waouh. N'hésite pas à lancer vieux chien avant que je te crève un œil. Bah écoute, j'apprécie ce genre de pratique, du coup je vais pas lancer. Ok, donc le pack c'est le Dragon Ball Z V2 pack. Alors même si je connais rien du tout à Dragon Ball Z les gars, je vous dis je me suis jamais intéressé à ça. Bah voilà, au moins vous avez un bon pack pour ceux qui aiment bien. En tout cas voilà, on va commencer à spliff. Faites des pioches. Il a plus d'abonnés que toi hein. Mec. Attends, on est d'accord, je t'envoie un rêve, je t'envoie une châtaigne. Voire deux. Supplément sauce, comment ça s'appelle? Sauce truffe. Carrément quoi, de la truffe. Mec, le gars il me tue vraiment. Ouais bah ta gueule alors. Parle-moi bien par contre. Non. Allez s'il te plaît. Non. Allez, mec, respecte-moi. Alors, je ne te respecte pas. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, non. Allez, spliff. Oh non, même pas. Oh. Allez, allez les amis, effectivement, c'est parti, c'est un record. Attends, commentateur d'e-sport, mec. Alors toi, une bite sur l'épaule, hein. Allez, je te sauve. Oh, toi, t'es vraiment un bideux, mec, mais... Même mes vues sont plus intéressantes que mon gameplay, gros. Effectivement, ça... C'est vrai, ouais, ça, faut le dire. Une vraie victime, quoi, genre... En même temps, il est pas intéressant, le mec, en face, genre, pire que toi. Arrête, mec, t'es pas drôle. Arrête. Ropi, arrête. Mec, vraiment, t'es pas drôle, vraiment. C'est marrant. Ta gueule, tu veux, j'appelle ma mère, je lui demande si c'est drôle. Mais tu me châtaignes, mec. Calme-toi. Je vais péter le micro. Alors, y a pas la garantie, donc tu fais gaffe. Mais si, c'est garantie, c'est... Wow. Allez, allez, ferme ta gueule. Dis garantie. Attends. Oh à la pioche, à la pioche. À la pioche, à... À la pioche, à... Coquin, va. Mec, je t'envoie de bouffer des sushis là, gros, là, il est culot. Mais toi, mec, quand tu vas arrêter de grandir, tu vas devenir obèse. Hein. Ah, téléphone. Excellent. Je suis en cours là. Allez, tiens, hop, spliff. Je vais tuer à la pioche. Oh, vieux chien. On avait mieux en termes d'accueil. Hein. Oh putain, je suis trop fort. La bifle. C'est sûr qu'on avait mieux en termes d'accueil, hein. La bifle, alors la bifle, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est gifler une fille avec sa bite. Voilà, c'est pas très convivial, enfin, comme accueil, on fait mieux quand même, hein. C'est pas très convivial, enfin, comme accueil, on fait mieux. Est-ce que ton père, il dit à la maison ou au bateau? À la maison, pour le coup. En plus, son adresse, elle va partir. Il veut quoi, celui-là? Mec, c'est un bidet, il est en train de me parler, genre, what the fuck. Ah, le haineux. De toute façon, c'est pas la couleur de ton bateau, donc... Tant qu'il dit pas ça, ça va. Ta gueule, hop, hop là. Arrête. Oh, vite, 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 yes. Même pas, vas-y, renard, tue-le. Oh. Alors, ça mec, c'est rec. Alors ça! Alors ça! T'avais une reach! T'étais à 4 km! Oh! Mise à jour de merde, on la fait pas. Hop! Salut mec! Salut! Il a l'air super ce TS! C'est vraiment marrant ce TS! Grand gamin! C'est vrai que c'est funny de jouer sur les mots. Oh putain, mais il est là effectivement! Ah bah, quand même! Mais pourquoi le mec, ça fait 30 ans, il chie dans la colle là, mec? Il chie dans la colle quoi, c'est carrément. Genre dans la colle quoi, genre. Putain, ça doit se faire un super effet, mec. C'est pas sur le côté, c'est vraiment dedans quoi. Une région du talent quoi, c'est. Je vais. Attends, est-ce que je peux me percer la tête? Ta gueule! Ta gueule! Imagine, tu parles avec quelqu'un qui a l'air super sympa, tant t'as mis une discussion et tout. Le mec, il fait ta gueule! Putain, le chef de clown tu rappelles. Oh, que day. Aïe, 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 aïe.
Ah mais c'est pas toi qui décide. Ah mais c'est pas toi qui décide non plus des sanctions. Ah si, c'est moi. Mais non mec. Je te parie quoi? 5 secondes de chant. Ok. Chante. Délivré. Je ne m'en tirerai plus jamais. Allez t'es gaffe. Alors là, je risquais pas de me faire copyright parce que ça a duré 3 secondes. 4 secondes, 5. Putain, c'est trop fini, je joue sur les secondes, sur les mots. Putain, c'est vraiment de l'humour super. Du coup, les gars, on va lancer une autre game. On a lancé la game. Du coup, les gars, on va lancer une game. Waouh, waouh, waouh. La ligne de Francfort. Ils ont la technique, ils ont la technique. Allez, salut. Oh. Aïe, ma pioche, elle me casse pas assez vite, gros. Aucun skill. Hop, ici. Oh, je suis un génie. Mais mec, quand je te dis que je suis instrument. Oulet. Mais oui, oulet. Oh. Ah, château. Kaaaaaai. Mec, t'es un château, mais genre, vas-y. Oui. Vas-y, mais mec. Allez, voilà, allez. On relance une autre game. Faut que tu chantes la musique de Shrek. Qui connaît la musique de Shrek? Somme Badi. Shrek il se bat et moi je dis. Arrête, t'es pas mal. Allez, allez, je démissionne, j'arrête YouTube, explication. Attends. T'es en train de détruire mon micro studio que je t'ai offert de mes propres mains. Bah fallait pas m'offrir. Oh ouais, oh. Mais mec, vraiment gros, quand tu vas venir chez moi et quand tu vas voir la gueule du micro, quoi tu vas dire. Ça c'est un beurre de main, ça c'est diffamation hein. Qualité plus bras. Plus bras. Eh gros, je sais pas ce que. Il ne s'arrête plus, le jeune Jonathan. Aujourd'hui gros, j'ai vraiment l'impression d'être cafouard. Hein. Salut. Allez. Je les casse tes blocs là. Ah ta gueule. Je suis un génie, voilà, allez je suis un génie mec. Mais mec, on est tombé contre des bots, c'est pas possible. Alors, on n'a pas changé depuis 2005, du coup c'est LMFAO. Allez hop, double kill. Oh non. Tu viens de mettre un coup de coude retourné dans ton micro. Ouais, Lacrimatica. PK. Lacrimatica, pourquoi? Ouais. Ta gueule. Waouh, waouh, arrête ça s'il te plaît. Donc ça fait 3 euros et des patates s'il vous plaît. T'as une boulangère, c'est un agriculteur. Voilà, un croissant ça fait 3 euros et des patates, c'est un peu cher mais c'est pour la bonne cause. C'est de la MMA. Oh putain. Non tu sais ils ont la gueule de ceux que je t'ai montré hier qui se combattent là. Allez, clique comme un chien, allez, allez, perds. Lacrimatica PK. Non, Gilles, vraiment. Est-ce qu'à la fin de la vidéo, tu pourras m'acheter un coup d'antipop ou pas? Parce que vraiment, le micro est. Je t'ai envoyé un bonnet, mec. Alors, il est même pas rouge, donc tu fermes ta gueule. Tu l'as voulu mec, en noir, tu l'as voulu en noir. Attends, lui, par contre, je vais l'enculer. Mec, c'est un bonnet wish. Mec. Regarde, c'est un bonnet wish. Bah, si c'est du fromage. Moi, je trouve ça va, hein. C'est du fromage, c'est. C'est quand même. Toute une vie, hein. Le fromager. Fromager par passion. Retourner brosser à la main. Le bon poney. Oh, t'as peine. Ça fait tellement genre bouffe, mec. Vite, on finit la partie là. Et le mec, un vieux sac, hein. Je trouve ça très lucratif, hein, écoute. Allez, il a sauté comme un lapin. Mon daron c'est pas un chasseur, un bonus. Non mais il a dit quand même t'as sauté comme un lapin, il fallait la sauter comme un lapin. Mais il est mort votre pote, il a jamais dit ça mon daron. J'en connais un qui va sauter comme un lapin. Dans un bateau. Maintenant j'ai plus la même image des lapins mais. Du coup les gars c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Et donnez-moi des idées en commentaire, ça peut être super sympa les gars. Je verrai, j'adorerai les meilleures réponses ou je verrai liker entre vous les gars pour faire ressortir la meilleure idée. Puis même proposer votre propre idée, ça peut être super intéressant pour la chaîne. Bref, merci d'avoir regardé, d'être resté jusqu'à la fin. Moi je vous dis ciao bye Simer, c'était GX.